Donc sur cette exposition, il y a deux styles très différents, de travaux très différents. D'un côté, il y a des encres de Chine représentant Toulouse. Donc là, c'est un travail vraiment de précision à la plume sergent-major. Donc plume sergent-major qu'utilisaient les écoliers à l'époque 1950. Hein. Donc l'architecture toulousaine, voilà, je suis native de Toulouse, amoureuse de Toulouse. Et il y a une deuxième partie sur la femme à l'acrylique. Le fond est effectué au doigt, la plupart du temps au doigt du moins, et les détails sont retouchés, on va dire, à la brosse. Il n'y a pas vraiment une technique que je préfère. Hein. J'effectue les deux en parallèle, et c'est par période. Il y a des périodes où je vais avoir, je sais pas, une inspiration féminine, une période où je vais passer dans un coin que j'aime beaucoup et je vais avoir envie de l'immortaliser. Il n'y a pas vraiment... C'est par période, mais j'aime autant les deux. Il n'y a pas tout mon travail. J'ai aussi effectué beaucoup de travaux sur la danse qui ne sont pas exposés, là. Et sur Collioure, qui ne sont pas exposés non plus. Et sur Toulouse et la femme, là, il y a 3 ans de travail.